Ça y est, on y est. Lundi, c'est pour la deuxième fois, l'escalade sera présente dans la plus grande scène sportive du monde, les Jeux Olympiques, et cette fois à Paris, chez nous. C'est juste exceptionnel, on va bien en profiter. Cette année, pour cette deuxième édition de l'escalade aux Jeux Olympiques, on aura 7 athlètes qualifiés. Il y en avait 8 possibles, il y en a 7, c'est déjà extraordinaire. En vitesse, on aura Bassam Awem, Capucine Viglione et Manon Lebon qui vont s'exprimer en vitesse. Et sur le combiné bloc difficulté, on aura chez les filles Oriane Berton, Zélia Avezou, et chez les garçons Sam Avezou et Paul Jeft qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes, j'en suis sûr. Ils sont prêts, ils sont à fond, ils sont chauds. Et nous, on sera derrière eux. Toute la fédération sera derrière eux pour les soutenir. J'ai déjà reçu plusieurs messages de clubs qui m'ont demandé de leur transmettre les encouragements, ce que je ferai bien sûr. Ça atteste combien l'ensemble de la fédération suit les résultats de nos sportifs de très haut niveau. Voilà, je vous invite à assister aux épreuves, hein. Si vous pouvez profiter d'une ambiance collective, allez sur les fan zones, elles sont nombreuses en province pour pouvoir profiter du spectacle des Jeux Olympiques et l'escalade sera présentée. Si vous êtes en région parisienne, vous pouvez venir, je vous invite à venir au Club France, si le cœur vous en dit, de vous exprimer sur le mur d'escalade que vous voyez derrière moi, qui a été bâti exprès pour faire la promotion de l'escalade au sein du Club France.